Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous de suivre nos vidéos. Et aujourd'hui, il se passe un truc de fou, je vais vous expliquer. Il y a quelques temps, j'ai reçu une alerte sur ma voiture. Vous savez, les Tesla, elles ont des caméras et le film, même quand j'y suis pas, tout ça, et le film quand il y a quelqu'un qui s'approche de la voiture. Et là, en l'occurrence, j'ai vu un mec s'approcher de ma voiture pour mettre quelque chose en dessous. Alors, je sais pas ce que c'est parce que là, je viens à peine d'appeler le caméraman. On est en train de tourner la vidéo, je suis même pas encore allé voir la voiture. Mais on va aller voir ce qui passe sous la voiture et je vais vous mettre la vidéo là avant d'y aller. Comme ça, vous verrez. Il y a un mec qui est venu, il se met sous ma voiture et je sais pas ce qu'il fait. J'arrive pas à voir ce qu'il met sous la voiture, mais il met un truc sous la voiture, ça c'est sûr. Mais je sais pas ce que c'est. Donc je vous mets la vidéo maintenant et après, on va aller voir la voiture. Allez, bon visionnage à tous. On va aller à ma voiture et on va voir ce qu'il a fait sous ma voiture parce que j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. Quel côté, droite ou gauche? À droite. À droite. À droite côté conducteur. Alors gauche. C'est là, non? Là y a rien. Derrière. Là y a rien. Qu'est-ce qu'il a fait sous ma voiture? Il a pris une référence. Ah, ça m'étonnerait. Ah, viens voir, là. Je vais le décoller, attends. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Oh, j'ai peur, je sais même pas, je sais quoi c'est. Je te jure. On dirait du C4. Ouais, pour de bon. Ah, ok. Ok. C'est un AirTag. Ça sert à quoi, les AirTags? C'est fait pour la localisation, non? C'est quoi, comme un tracker GPS, en fait? Ouais. Ça veut dire, donc, le mec qui met ça, ça veut dire que sur son téléphone, il peut voir ma... Où je vais, ce que je fais, en direct, en réel, en temps réel. Ouais. D'accord. Ça coûte combien ça? Je sais pas, 50 euros je crois. Eh ben voilà, c'est à nous. Pourquoi il fait ça le mec? Ça qui est bizarre. Pourquoi il fait ça frérot? Pourquoi il a collé un AirTag sur ma voiture frérot? Tu sais ce qu'on va faire? J'ai une idée, j'ai une méchante idée. Le AirTag, on va le déplacer, on va le mettre quelque part. Et il va venir le récupérer à un moment donné, tu es d'accord avec moi? Ouais. Eh ben, on va le mettre quelque part, tu avais improbable, genre, je sais pas, dans une poubelle ou tu vois, un truc comme ça. Comme ça, quand il va venir le récupérer, nous on l'attendra sur place et on le chope. Qu'est-ce que tu en penses? Allez. On fait ça? Ouais. Allez les gars, ben, on va mettre ça dans une poubelle et. Ou quelque part, je sais pas où, on va voir. Et puis quand il va voir que c'est un endroit inaccessible dans un parc ou une connerie comme ça, je pense qu'à un moment donné, il va aller le chercher. Dans un parc, c'est bien. Un endroit où on peut pas accéder en voiture, comme ça, il va le chercher, ouais. Tu vois, il sait que c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on y va. Bon les gars, on est devant des toilettes publiques. J'ai le AirTag avec moi et je vais le mettre dans les toilettes à l'intérieur. Je vais pas le mettre dans les toilettes, mais je vais le mettre ici. Oh, ça pue. Putain, si je tombe dans le trou, on est beau. Voilà, je vais le mettre là. Comme ça, il galère bien à le chercher. Et on va se mettre en planque là, on va attendre que quelqu'un passe. Et dès que je vois quelqu'un avec son téléphone, machin, ben on saura que c'est lui et on attendra de pied ferme. Allez, on va se cacher. Frérot, il y a un mec qui arrive avec son téléphone. C'est le AirTag qui sonne comme ça? Ouais. Mais non. Oh, ça sonne fort, hein? Ouais. Oh, ah, c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben non, c'est pas ici. Il le cherche. Hein. Dès qu'il rentre, attends. Allez, le temps qu'il le cherche. Oh! Dis-moi! Quoi? Pourquoi tu m'as. Aux toilettes? Sérieux?
Pourquoi tu as mis un AirTag sur ma voiture? C'est quoi l'AirTag? C'est ce que tu es en train de chercher. Non, je cherche pas ça. Tu es sûr? Oui. Tu veux pas sortir de là, toi, hein, je pense. Dis-moi, tu veux pas me dire pourquoi tu mets des AirTags sur ma voiture? Pourquoi? Tu veux pas me dire pourquoi tu mets des AirTags sur ma voiture? J'ai pas mis d'AirTags. Je te laisserai pas sortir d'ici, tu vas y passer la journée et la nuit, hein, je te le dis. Pourquoi? Tu ouvrirais pas si tu me dis pas la vérité. Bah, vas-y. Tu me dis pourquoi tu mets un AirTag sur ma voiture? Si tu m'expliques pas, j'appelle la police maintenant. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est toi qui veux me cambrioler? Non, pas moi, les gens. Non, moi, juste, c'est ça mon travail. Donc toi, ton travail, c'est quoi? C'est de prendre ma localisation, de voir quand je suis pas là et de me cambrioler quand je suis pas là, c'est ça? Non mais le but c'est quoi? C'est de prendre ma localisation et quand je suis pas là, il y a des mecs qui viennent nous cambrioler. Ouais, mais j'ai pas le choix de faire ça. Pourquoi? Je peux pas te... D'accord. Et comment tu connais ma voiture? Comment tu sais où j'habite? Tu sais où je me gare? Comment tu sais ça? Ah d'accord. Tu m'as tout dit? Oui. Je veux que tu me donnes les coordonnées de ceux qui t'envoient pour me cambrioler, s'il te plaît. Eh ben tu vas rester bloqué là, bah attends, tu sais quoi, regarde, bouge pas. Tu sais ce qu'on va faire? Tu as de bonnes oreilles? Tu entends bien? Pourquoi? Ben est-ce que tu entends bien? Oui. Bon. Attends, écoute, 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 écoute. Vous êtes en communication avec la gendarmerie. Ça va. T'es sûr? La gendarmerie, ça va, bouge pas. Bon alors, tu me donnes le numéro? Ça va, c'est Théo. Vas-y, c'est quoi son numéro? 06. Ouais. 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 Ah frérot, quand je tape le numéro, regarde comme c'est le numéro de mon cousin. Foute le numéro, il écrit quoi en dessous? Théo portable. Allez, hein? Regarde. Et quand je prends là, Théo cousin, c'est mon cousin. C'est le numéro de mon cousin. C'est le vrai numéro? Dis-moi, t'es sûr que tu t'es pas trompé de numéro là? Non, je suis sûr que non. Répète. Ouais. 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 C'est ça. Et comment il s'appelle, Tchadji? Théo. Pourquoi? Pour rien, c'est bon. Merci. Oh, ouais, j'arrive. Quoi, bon les gars, on va le laisser là, mais je vais régler un autre problème. Regarde-le. Il est tout décroché. Il a vraiment pas de force à moi. Mec, hein. Salut. C'est mon bien. C'est mon. Il vient, on se casse. Bon, les gars, je viens de me rendre compte que c'est mon cousin qui envoie, enfin, qui paye un mec pour prendre ma localisation et venir me cambrioler quand je suis pas là. Et c'est un cousin proche, en plus, c'est pas un cousin éloigné ou quoi que ce soit. Donc je vais voir avec lui, je vais essayer de lui donner rendez-vous, je vais rien lui dire sur le coup. Et voilà, parce que là, c'est ce qui est pas normal, c'est que le mec, quand je la chope, qui me donne les coordonnées de celui qui veut me cambrioler, ben ça soit le même numéro que mon cousin. Donc c'est qu'à un moment donné, soit c'est une grosse erreur, une grosse coïncidence, soit c'est mon cousin qui essaie de me la faire à l'envers. Mais je pense plutôt que c'est mon cousin qui essaie de me la mettre à l'envers et de me cambrioler, voilà. Il sait où j'habite, il connaît tout. Donc il connaît la maison, il sait où j'habite, il sait où fouiller, il n'y a même pas besoin de... Donc voilà, il va falloir que je fasse attention à lui et je vais prendre pas rendez-vous, mais je vais l'appeler pour le voir. Je vais lui donner rendez-vous quelque part et je vais voir avec lui ses intentions et je vais essayer de le piéger à son tour. Parce que voilà, là, c'est, je pense qu'il veut vraiment me la faire à l'envers. Donc dimanche prochain, il y aura une vidéo à ce sujet, d'accord? Et j'espère que ça va bien se passer parce que sinon, je vais lui lever la main dessus. En plus, c'est mon petit cousin, c'est MR2, il a 18 ans. C'est vraiment... voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'autre, il est encore dans les chiottes coincé là-bas. Et je vais le laisser jusqu'à ce que quelqu'un le décoince et qu'il s'estime heureux. J'ai pas appelé la police. Voilà. Rendez-vous dimanche prochain à 18h pour la suite de cette vidéo. Et faites attention à vous. Et ne faites confiance à personne, même à vos proches des fois. Faites attention à vous. Et à dimanche prochain à 18h. Ciao.